Aaron Brancou, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Richard Descoings peut-être avait quelque part une idée de ce que devait être la politique éducative du pays, qui justifiait, ou pouvait justifier pour certains, le fait qu'il mette en place tous ces réseaux d'appui, d'intérêt, etc., afin d'arriver à ses fins, de réussir à imposer des élites sclérosées dans lesquelles vous parliez d'eugénisme social. Je pense que c'est un terme qui est violent et juste, qui vise à empêcher à 90% de la population d'accéder à des hautes fonctions, quel que soit leur talent, parce qu'on veut garder les places pour nos propres héritiers, enfin des classes dominantes. Ce qui pouvait se justifier ne se justifiait plus à sa main, parce que tout ce réseau s'est retrouvé sans idéologue, en quelque sorte, et donc juste à paniquer à l'idée de perdre sa place, la place qui s'était attribuée mutuellement. Donc ils ont commencé à tourner à vide, et Emmanuel Macron, en fait, c'est un peu l'archétype de ce vide, c'est-à-dire de personnes qui cherchent à prendre place dans la société sans à aucun moment porter une idée particulière, si ce n'est celle qui va leur permettre d'arriver au pouvoir. Et ce que je raconte dans mon livre, c'est comment nombreux interlocuteurs m'ont raconté, dès le début, Emmanuel Macron rentre dans le piège de la flatterie. C'est-à-dire qu'il va croire, en effet, qu'il est un génie, qu'il est quelqu'un de particulièrement brillant, comme on a essayé de me le faire croire, moi, très jeune. Et il va, en fait, ne pas se rendre compte qu'en rentrant dans ce système, il va devenir l'agent des personnes qui le propulsent, non pas parce qu'il croirait dans l'absolu du génie d'une personne, etc., mais parce qu'il voit bien que cette personne-là va leur être utile pour défendre leurs intérêts, qu'il est suffisamment naïf, etc. Donc ce petit jeune qui arrive d'Amiens avec sa femme qui va devenir professeur à Franklin, un lycée privé de la rive droite où tous les héritiers de Paris, de la bourgeoisie financière et de l'ancienne aristocratie parisienne se regroupent pour ne pas être dans le public, pour ne pas être mêlés avec des personnes qui seraient démanants, des personnes qui n'apporteraient pas suffisamment en termes de dot social, en termes de capital économique, symbolique ou autre. Qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien. Mais vous allez voir, en fait, tout ça s'emboîte de façon assez fascinante. Cette femme va y rencontrer les enfants, il va y éduquer les enfants de Bernard Arnault, ce qui va lui permettre de rencontrer Bernard Arnault, ce qui va lui permettre de présenter Bernard Arnault à Emmanuel Macron. Bernard Arnault qui va être un des principaux soutiens de Macron. Il va dîner jusque une fois par semaine avec Emmanuel Macron quand celui-ci devient ministre de l'économie, et va se mettre en place, va se mettre en branle une machine qui va amener au pouvoir quelqu'un qui n'en avait pas forcément ni les capacités ni l'envie fondamentale, je crois, sans autre raison que celle de préserver un système qui était en train de s'effondrer, parce que les candidats du système étaient chacun les uns après les autres en train de chuter, et qu'il fallait absolument trouver une solution de rechange avant que la rupture se mette en place.